appelée Barbastelle, une espèce qui avait, pour ainsi dire, disparu de Belgique. Et on va voir une évolution où ça en est aujourd'hui, grâce à Frédéric Forget et Claire Kinsen. Donc c'est une étude qui a été réalisée par Nathan Gorin. Frédéric, tu es bénévole à Nathan Gorin depuis longue date, c'est la création du groupe Ecotus. Et Pierrette, moi Pierrette, on la présente plus. La présentation va être en deux temps. Vous allez d'abord voir un petit film pour avoir ton plaisir, et puis après, il y aura une présentation. Nous sommes infirmiers, pensionnés de l'armée, étudiants, agents du DNF ou encore ingénieurs. Nos temps libres, nous les consacrons à une passion bien particulière, l'étude et la protection des chauves-souris. Pour cela, nous tendons des filets ici et là, nous plaçons des enregistreurs d'ultrasons. Depuis 2012, nous nous sommes lancés dans la quête du Graal. Pour les chiroptérologues que nous sommes, ce Graal porte le nom de Barbastelle. La Barbastelle est une chauve-souris bien différente des autres. La forme particulière de sa tête attire depuis longtemps l'attention des naturalistes. Mais c'est aussi une espèce qui avait disparu de notre royaume. L'histoire que nous allons vous raconter se déroule au cœur de la forêt ardennaise, sur les bords de la Semois. Le sous-sol de cette région abrite quantité d'ardoisières, aujourd'hui abandonnées des hommes. Nombre d'entre elles sont devenues des réserves naturelles pour chauves-souris. Elles permettent à de nombreuses espèces de ces petits mammifères d'hiberner en toute tranquillité. 10 janvier 2004, comme chaque hiver, nous recensons les chauves-souris. Nous dénombrons les rhinolophes, les vespertillons à moustache, les grands murins, les vespertillons de Bechstein, les vespertillons de Brand, ou encore les vespertillons à oreilles échancrées. Mais plus jamais de Barbastelle. Il est vrai que nos petites Barbastelles, une dizaine de grammes, peuvent aussi passer l'hiver sous l'écorce des arbres morts. 21 janvier 2006, à notre grand étonnement, nous apercevons une Barbastelle après 20 ans d'absence. Le froid l'a obligée à venir se réfugier sous terre à l'abri du gel. Les hivers passent. Nous aurons le privilège d'observer une Barbastelle deux ou trois fois encore. La vallée de la Semois est une région magique. Au cours des millénaires, ses méandres ont érigé des promontoires rocheux que les hommes ont chapeautés de forteresses. Tandis que les chauves-souris hibernent tranquillement, les oiseaux, cervidés et sangliers, peine pour trouver leur maigre pitance. Les rayons du soleil se font plus intenses. Les arbres déploient leurs tendres feuilles. Les insectes sont de retour et les chauves-souris qui sortent d'hibernation vont s'en régaler. 5 juin 2011, notre groupe de bénévoles poursuit son action en faveur de la protection des chauves-souris. 12 février 2013, l'hiver est particulièrement rude et le gel s'insinue profondément dans les cavités. Lors de ce recensement hivernal, une belle surprise nous attend. Une dizaine de Barbastelles. Il nous reste à prouver leur présence en été. Cela devrait être possible car la Barbastelle utilise un sonar caractéristique. 17 mai 2013. Après plusieurs nuits d'écoute, nous repérons enfin le signal tant recherché. 15 juin 2013. Fort de cette nouvelle, nous informons les services du DNF. Cette espèce étant protégée,
il nous faut des dérogations pour la capturer. 13 juillet 2013. La chance nous sourit. Dès le premier soir, une barbastelle se prend dans nos filets. C'est un mâle. Nous allons l'équiper d'un émetteur afin qu'il nous dévoile ses terrains de chasse et ses gîtes diurnes. À l'inverse des femelles, qui se rassemblent en colonie l'été venu, les mâles barbastelles vivent généralement seuls. Dès lors, notre but ultime est d'équiper une femelle pour qu'elle nous mène à sa colonie de reproduction afin de protéger cette dernière. De manière étonnante, on ne retrouve presque jamais de papillons de nuit dans le régime alimentaire de la plupart des chauves-souris. Or, des études sur les crottes de la barbastelle ont prouvé que les papillons de nuit représentaient près de 90% de ses proies. Comment fait-elle pour attraper ces insectes qui échappent aux autres chiroptères? Le but des chauves-souris, c'est de chasser les insectes. Mais le but des insectes, c'est d'éviter de se faire manger par les chauves-souris. Certains papillons de nuit ont développé des tympans afin de repérer leurs prédateurs. Ces tympans leur permettent d'entendre les ultrasons des chauves-souris et lorsque celles-ci approchent, ils se laissent tomber. Le sonar de la barbastelle est unique. Ses signaux sont de très courte durée et alternent deux fréquences différentes. Un sonar indétectable par les papillons de nuit. 20 septembre 2013. L'été touche à sa fin. Les brumes recouvrent de plus en plus souvent la vallée de la Semois. Au cœur de la forêt, d'étranges cris résonnent. C'est le brame du cerf. Mais pour les chauves-souris aussi, c'est la période des amours. Elles fréquentent des lieux de swarming, sorte de boîte de nuit à la sortie des grottes où toutes les chauves-souris d'une région se retrouvent. Et si affinité, cela se termine dans une petite anfractuosité. Le 15 juin 2014. Le printemps suivant, nous reprenons nos captures. En fait, c'est une femelle que nous cherchons à équiper d'un émetteur, afin de la pister jusqu'à sa colonie. Le filet placé aux alentours de la Semois, une barbastelle se fait piéger. Mais cette fois encore, c'est un mâle. Nous prenons ses mesures. Nous prélevons des parasites, un peu de salive et recueillons une crotte qui nous informera sur son régime alimentaire. Et pour terminer, nous le photographions. En effet, telles nos empreintes digitales, la forme de l'oreille de la barbastelle est unique à chaque individu. Tout animal capturé reçoit un nom et une fiche d'identité. Ce mâle-ci sera baptisé Barnabé. Le 16 juin 2014. Nous partons à la poursuite de Barnabé. Nous sillonnons les petites routes de la forêt. Guidés par le bip de l'antenne Yagi, nous arrivons jusqu'à un vieux chêne mort. Sous les écorces décollées, nous découvrons Barnabé. Une fois de plus, cette espèce de chauve-souris se distingue des autres. En forêt, les arbres creux sont prisés par une foule d'animaux, que ce soit des oiseaux ou encore cette noctule de Leisler. La concurrence est rude pour ce type de cavité. Les barbastelles ont donc adopté un autre refuge, délaissé de tous, les écorces décollées des vieux arbres morts, principalement des chênes. En théorie, ce type de gîte est commun dans les vieilles forêts de feuillus où chassent les barbastelles. Mais les chênes, même morts,
gardent une valeur commerciale et sont abattus. La disparition des gîtes et la raréfaction des papillons de nuit sont les deux causes principales du déclin de cette espèce si spécialisée. Pour protéger la barbastelle, il faut protéger la forêt et sa biodiversité. Pour être durable, cette protection doit se faire en bonne entente avec tous les acteurs, car depuis des temps immémoriaux, la forêt prodigue bois et moyens de subsistance aux hommes. 5 juillet 2017. Pour la première fois, le but est atteint. Une femelle est capturée. Elle s'appellera Béatrice. Nous l'équipons et la relâchons en espérant qu'elle nous mènera à sa colonie. 6 juillet 2017. Tout le monde est sur le pied de guerre. Différentes équipes se partagent l'exploration du terrain. Par ici, le bruit est fort faible. Un peu plus loin, le signal se fait de plus en plus fort et différents véhicules se sont regroupés. On approche. Nous y sommes. Au sommet de cet arbre, la caméra thermique nous dévoile une zone chaude. C'est là. Après 4 années de recherche, Béatrice nous a conduits à sa colonie de reproduction. Nous y retournons le soir pour dénombrer les femelles. Elles sortent une à une, on en compte à 15. Durant les chaudes nuits d'été, quelques heures de chasse suffisent à rassasier les mâles. À l'inverse, nos femelles qui ont charge de famille capturent des insectes la nuit entière pour avoir suffisamment de lait. Au petit matin, elles reviendront s'occuper de leurs jeunes et les allaiter. La première maternité de barbastelle retrouvée en Wallonie. 12 juillet 2017. Nous tâchons de mieux connaître la colonie et de découvrir le terrain de chasse qu'elles exploitent. Nous coordonnons nos efforts pour partir à leur recherche. Novembre 2017. Nous retournons vers le DNF qui, cette fois encore, répond présent. Ses agents marqueront d'un triangle les arbres gîtes potentiels afin qu'ils soient épargnés lors de la prochaine coupe et qu'ils puissent abriter les barbastelles longtemps encore. En Belgique, de multiples actions pour la protection de la nature sont menées depuis quelques décennies. Dans un monde où une espèce animale ou végétale disparaît toutes les 20 minutes, le retour d'un mammifère aussi sensible que la barbastelle nous rend confiance. La motivation et les efforts de tous, un fabuleux coup de pouce à notre biodiversité. On va présenter un petit PowerPoint. Donc dans un premier temps, en fait, je vais vous expliquer que donc la barbastelle en fait, était donc bien présente chez nous historiquement et puis qu'elle a disparu. Pour ça, j'ai fait ma petite enquête pour avoir des preuves, bien entendu, qu'elle était présente chez nous. Alors, vous connaissez bien entendu tous Bruegel, donc nous sommes ici au Moyen-Âge. Donc, y avait-il des barbastelles au Moyen-Âge? Vous connaissez peut-être ce tableau, mais avez-vous fait attention à ce détail où on voit tout de même très clairement dans le coin qui passe. Donc, au Moyen-Âge, elle est bien présente, et comme il y a probablement plus de forêts de folie, probablement plus présente actuellement. Alors, 100 ans plus tard, nous avons donc un autre peintre, Rembrandt, toujours dans les primitifs flamands, etc. Et donc là, on voit toujours qu'elle est présente. 200 ans plus tard, en fait, un de vos compatriotes va venir chez nous en Belgique
bien entendu pour son message de fraternité, d'égalité, de paix. Ce français que vous connaissez assez bien, le voilà, il vient chez nous pour amener tout ça comme message sympathique, mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'il venait aussi pour étudier les barbacelles. La preuve, regardez, c'est une barbacelle, donc là, il ne fuit pas du tout, alors que ses troupes sont en train de se faire massacrer par les coalisés. Non, il va étudier les barbacelles. Alors, dans les années 80-90, hein, on voit de fait, comme on l'a dit, hein, que les barbacelles se sont vraiment effondrées, hein, il n'y en a quasiment plus du tout en Belgique, en fait. Et là, à nouveau, comment est-ce qu'on a pu prouver ça, en fait? Eh bien, on a un personnage fort sympathique chez nous, que vous connaissez peut-être, en tout cas en Belgique, excessivement connu, c'est Dutroux. Et là, cette espèce de triste personnage, cette espèce de Voldemort, eh bien, ce que vous ne savez pas, c'est que c'était un chiroptérologue averti, très averti, parce que en 1996, en fait, il s'évade, et où est-ce qu'on le retrouve? En fait, on le retrouve à Chine, soit à quelques kilomètres à peine d'où nous avons redécouvert les barbacelles une dizaine d'années plus tard. Et donc voilà, il a recherché activement les barbacelles, je suis persuadé que c'est pour ça qu'il s'est évadé, et il n'en a pas trouvé. Alors maintenant, un petit peu plus sérieusement, en fait, donc voilà, donc en fait, il n'y a plus de barbacelles. Et puis en fait, durant les hivers, là, à début des années 2000, en fait, on voit que tout doucement, on commence à retrouver des barbacelles dans les sites qu'on prospecte. Et donc, de là l'idée à chercher des barbacelles en été, quoi. Alors, on est arrivé un petit peu, vous verrez comment, à cette hypothèse, hein, c'est que la barbacelle wallonne est bien entendu plus galante que la barbacelle flamande. Vous allez comprendre le pourquoi. Donc, nous sommes donc ici en Belgique, donc ce qu'on s'intéresse, c'est le sud de la Belgique. Vous voyez, il y a une zone grise, en fait, où sont les signaux, là, enfin, gris-brun, quoi. C'est l'Ardenne, donc l'Ardenne, zone plus froide, plus élevée en altitude, beaucoup de massifs forestiers, mais surtout l'épicéa. Et en dessous, en fait, c'est plus riche, c'est la Gaume, c'est plus calcaire, des massifs, beaucoup plus de fond. Et donc, en fait, donc, on commence nos investigations, d'abord au détecteur, et puis on attrape des chauves-souris, on attrape des barbacelles, une, enfin, on l'a vu dans un chemin forestier, puis deux autres au bout d'un tunnel. En fait, on attrape trois mâles, justement, uniquement, donc, en Ardennes. Et nous sommes vivants en Belgique, donc tout ça est très communautarisé, donc on regarde ce qui se passe en Flandre, et vous voyez les deux drapeaux, hein, le coq wallon, hein, 3-0 pour vous, les wallons sont les premiers. Une année plus tard, en fait, toujours la même chose, hein, on en attrape trois de plus, toujours à nouveau des mâles, toujours à nouveau en Ardennes, quoi, et la Flandre commence à de plus en plus d'écart. Vous doutez bien que ça a vraiment suscité une grande colère parmi les chiroptérologues flamands, hein, et donc partout, les nombreux chiroptérologues flamands se sont donc, mis en... Enfin, se sont mobilisés, hein, donc Mops, Blair, Meusen, Hochenflammen, donc en gros, donc les barbacelles aussi en Flandre. Alors ici, on parle. Ici, vous reconnaissez peut-être Marc van de Sepp, Alex Lefebvre et autres consorts, Ben van der Weyde. Enfin, tous nos confrères chiroptérologues sont là bien représentés. Pour ceux qui les connaissent, ils les ont certainement reconnus. Alors, on continue, en fait, et donc, suite à cette mobilisation des chiroptérologues flamands, eh bien, ça réussit, ils attrapent aussi des chauves-souris. Voilà, l'égalité est enfin, des barbacelles, donc on va avec l'égalité, quoi. Et là, très rapidement, en fait, ils nous dépassent, parce qu'eux, ils attrapent des femelles, et ils trouvent des colonies. Et donc, voilà, 12 pour la Wallonie, 55 pour la Flandre, on est foutus, enfin, c'est la catastrophe et tout. Et puis, jusqu'à ce qu'on remarque qu'en fait, en Wallonie, vous remarquez, il n'y a que des mâles, quoi. Et donc on s'est dit, on va finalement faire quelque chose de formidable, on va les dépasser, parce qu'on était en train d'écrire un papier pour Nature, en publiant, voilà, nous avons découvert le premier lieu de rassemblement pour barbacelles homosexuelles, il n'y a que des mâles, c'est le biais tunnel, quoi. Et on ne sait toujours pas pourquoi, mais Nature a refusé l'article. On n'a pas compris. Et donc, voilà, on s'imaginait forcément, après une découverte, après y avoir une grosse avance, hein, mais bon, ça ne fut pas. Enfin bref, on continue nos investigations. Une année après, en fait, on retrouve cette fois-ci deux colonies, et c'est intéressant, on les retrouve en Gaume, donc Gaume, région plus riche, quoi.
Et on trouve d'ailleurs une femelle, en fait, qui vient draguer les mâles au gué tunnel, et puis qui retourne en Gaume. Donc elle ne reste manifestement pas, quoi. En Flandre, ça c'est la situation, donc eux vont trouver 5 colonies, ils vont capturer principalement que des femelles, et donc on sait qu'eux ne savent pas trop s'il y a vraiment une différence en fait entre les mâles et les femelles sur les territoires, mais en tout cas ils n'observent pas. Pour rappel, donc voilà, donc nous avons 2 colonies fortement espacées l'une de l'autre. Une étude en Allemagne avait montré que les mâles en fait, en noir, chassent possiblement dans les zones plus riches, plus favorables, tant que les femelles chassent dans les zones plus riches en fait, plus favorables, tandis que les mâles en fait sont galants et vont laisser ces meilleures zones en fait pour aller chasser dans des zones un petit peu suboptimales. Et donc l'hypothèse, mais on n'a pas assez évidemment de captures pour prouver ça, c'est que donc en Wallonie, les femelles en fait sont dans les zones optimales et les mâles en fait sont plutôt dans des zones suboptimales en fait que représente l'Ardenne. Voilà, maintenant je laisse la parole à Pierrette. Donc à partir de ce moment-là, en 2016, j'ai commencé à coordonner l'étude avec les volontaires qui avaient fait ça tout seul avant ça, avec juste un petit support. Et donc on a travaillé dans le cadre d'un projet LIFE qui est toujours le même que celui dont on parlait hier. Et donc on a réalisé donc 3 années de recherche vraiment intense de cette espèce, 2016, 2017, 2018. Sur l'été, et l'objectif c'est bien sûr de découvrir les zones de production, les terrains de chasse fléchis, c'est toujours les mêmes objectifs partout, et d'établir aussi des cartes nécessaires à l'identification de zones où on va pouvoir mettre en place des actions de conservation, parce que c'est ça un des objectifs du Live NIP, c'était de. Nous on faisait une étude préalable et puis de traduire ça en objectif de conservation des rivières. Et donc comment est-ce qu'on a procédé? Globalement, vous avez déjà vu une partie dans le film, donc je vais aller relativement vite, mais donc on a utilisé des détecteurs d'ultrasons automatiques sur une zone géographique assez large pour faire vraiment des coups de son dans le paysage et se dire, ok, où est-ce qu'elle est cette bestiole? C'est une espèce qui est facile à détecter, donc enfin facile à reconnaître en tout cas au sonogramme. Où est-ce qu'elle est? On a mis des détecteurs un peu partout et on a couplé ça avec aussi des transects en actif ou en semi-passif. À vélo, là vous voyez mon vélo, on a un délit sur le paquet, sur le bagage. On a fait des détections sur la Saumois en barque, aussi en canot de nuit. On a descendu la Saumois tout doucement avec des SM4. En fait, on ne voit pas très bien, mais il y a des perches des deux côtés. On a 2 micros, c'était un SM2. On a 2 micros sur des perches et ça donne des résultats assez sympas. Enfin, c'est pas l'objet ici, on n'a pas l'été de pas passer comme ça, donc je ne parle pas plus loin. Mais... Voilà, on a fait assez bien de recherche. Donc en termes de nuit de capture, de nuit de détection, on a un échantillonnage de 215 nuits d'écoute avec plusieurs détecteurs la première année, puis ça décroît au fur et à mesure parce qu'on a progressivement traduit ça avec des captures dans les zones où on voyait qu'il y avait de l'activité. Concrètement, où est-ce qu'on trouve ça? Toutes les petites croix, c'est des endroits où on a mis un détecteur. Et tous les points rouges, c'est des endroits où on a détecté la barre pastel. Et donc on a effectivement visé toute la province du Luxembourg. Donc la ligne verte à droite, là, c'est la frontière avec le Luxembourg, le Grand-Duché du Luxembourg. Et puis on a demandé les données aux Français aussi. Vous n'aviez aucune donnée dans les 20 km de leur frontière belge. Et donc voilà, on se rend compte qu'en fait, c'est vraiment sur la façade française qu'on a le plus de contacts. Donc après, on a fait des captures, ça vous avez vu dans le film, on a capturé pas mal de bêtes, de toutes sortes d'espèces. Donc au nord, on a toutes les mâles, et puis on a découvert et capturé des femelles un peu partout. La petite tute, là, c'est la mêlée d'Orval, pour ceux qui aiment les mêlées. Et donc on a vraiment fait une recherche importante, et donc on a finalement équipé et suivi 14 individus sur ces 3 années, avec des suivis en télémétrie à pied, en voiture et en avion. Quand on ne retrouve pas nos bestioles, on fait un vol en avion pour retrouver les bêtes. Et grâce à ça, on a trouvé donc des arbres, 30 arbres essentiellement selon des gîtes connus des quilles et de hêtres des écorces décollées. Et puis c'est là que le dialogue franco-belge prend tout son sens. En fait, sur nos 30 arbres, il y en a 18 qui sont en France. Donc on a alimenté, sans le vouloir, les bases de données des arbres juste côté Ardennes. Et donc on a trouvé effectivement, là vous avez tous les individus et les différents arbres qu'ils ont utilisés.
Voilà, enfin, c'est du suivi classique, on a rien découvert de majeur. Et donc, voilà, elles sont essentiellement sous les écorces écolées, elles restent dans les mêmes massifs et elles ne chassent pas très loin. On a des colonies jusqu'à 17 femelles et 25 adultes. 25 avec les juvéniles. Et alors, on a aussi travaillé évidemment sur la caractérisation de terrain de chasse. Et globalement, chez nous, c'est une espèce qui chasse qu'en forêt. Elle s'écarte un petit peu de forêt au niveau des prairies, dans des zones bocagères, mais elle est quand même essentiellement forestière. Voilà, donc les conclusions, je sais que je dois abréger. Les conclusions sont quoi? C'est qu'on a en gros trois noyaux de population qui sont répartis dans le bois du Vanel, ça c'est côté français, au sud de Jastières, dans le bois du Bâti, à l'ouest d'Orval, et dans le bois de la Savonnière, à l'est d'Orval. Et donc, comme Frédéric le disait, la maternité se trouve plus au sud par rapport au gîte de mâle. Et donc, on estime qu'on a une taille globale de la population qui est supérieure à 100 individus en Belgique. C'est pas beaucoup, j'imagine, pour vous, mais pour nous, bien. Et donc, voilà, on a vraiment identifié des perspectives de protection. Et alors, la question qu'on nous pose toujours, c'est est-ce que ces bestioles étaient déjà là avant et que c'est juste parce qu'on les a bien cherchées qu'on les a trouvées, ou est-ce qu'elles sont en train de remonter depuis des populations françaises? En fait, on ne sait pas. Donc, vraisemblablement, un peu des deux. Voilà. Et donc, merci à tous les volontaires qui ont travaillé avec nous sur ces projets-là.